on veut pas de vous. Allez, BFM, ça dégage, vous êtes des grosses merdes. Vous êtes des grosses merdes, vous ne relayez pas les informations, vous ne relayez pas la vérité. Vous ne relayez pas la vérité. Dégagez-les, dégagez-les. Allez, allez, cassez-vous, cassez-vous. Vous êtes des grosses merdes. BFM, BFM. Allez, ça dégage. Allez, ça dégage. Allez. Il y avait aussi aujourd'hui une nouvelle manifestation contre le pass sanitaire devant le Sénat. Des dizaines de manifestants présents. Certains d'entre eux s'en sont pris à deux journalistes de BFM TV. Non. Un comportement inadmissible que la rédaction de BFM TV condamne. Et d'ailleurs, nous allons porter plainte contre les auteurs de ces actes. On vous voit sur ces images parce que vous êtes directement concerné. Igor Saïri, que s'est-il passé ? On m'a empêché de faire mon travail avec une grande violence. C'est donc très perturbant. Ça m'était déjà arrivé lors d'un samedi de manifestation de Gilets jaunes il y a déjà quelques temps. Mais là, on avait encore passé un cran. Je suis venu couvrir ce nouveau rassemblement, comme je l'avais fait déjà hier soir. Et je réalise un direct hors champ, c'est-à-dire pas face caméra, pour éviter justement tout risque qu'on s'en prenne à moi, à ma caméraman, à ma JRI. Et à BFM TV, parce que je suis souvent identifié comme un personnage de terrain de BFM TV. Et lorsque je termine mon direct, je comprends qu'on m'a reconnu ou qu'on a reconnu la chaîne. Quelqu'un a dit « Regardez, il filme ici », et on arrive vers moi, une personne, deux, puis trois, puis 50 et puis 100. Et là, on sent quand même que la tension monte d'un cran. Je remercie mes deux agents de sécurité qui s'appellent Igor et Moussa. Sans eux, sans doute que ça aurait été physiquement violent. Heureusement, il n'y a pas eu de coups. En revanche, il y a eu un torrent de haine contre moi et contre mon équipe. On nous a traités de tous les noms, des insultes dont je passerai les détails parce que ça ne sert à rien. Mais en gros, ils nous reprochent de ne pas dire la vérité. BFM TV, comme les autres médias hein, d'ailleurs, mais c'est à nous qui s'en sont pris aujourd'hui. Et donc sur les images, on peut le voir, on va faire 100 mètres entre le moment où on fait le direct et le moment où on trouve enfin un fourgon de policiers. La police n'est pas intervenue à ce moment-là, sans doute qu'il n'était pas assez, mais on est contraint de faire marche arrière, de partir, de refuser de couvrir cet événement ma JRI est portée par un agent de sécurité ainsi qu'un policier, la porte pour la mettre en sécurité, parce que la tension a été d'une extrême violence. Rarement j'avais vu ça. Encore une fois, on n'a rien physiquement, mais on est sans doute un petit peu bouleversé parce qu'on se rend compte que c'est quand même très inquiétant de ne pas pouvoir couvrir factuellement cet événement, ce rassemblement. Je ne faisais que raconter les discussions que j'avais pu avoir avec les différents profils de personnes en plus. Si vous voulez, je n'étais que factuel. Oui, vous faisiez votre métier. Hein. Je ne faisais que mon métier. Et ils s'en sont pris à moi, mais ils s'en sont pris à la chaîne, au complot, à l'absence de vérité, au mensonge. Vous avez que j'incarnais selon eux.